Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ce que vous êtes en train de voir en image là n'est pas une comédie. Ce n'est non plus un film, mais c'est une réalité. C'est un milliardaire appelé Tucker Sulf. Un milliardaire Bamoun qui s'est rendu du côté de Fumban et a fait des dons, des voitures, des fournitures scolaires, d'argent. Selon certaines investigations, certains disent qu'il est chanteur, artiste, musicien, je crois. Mais quand moi j'ai fait mes analyses un peu sur les réseaux, le gars multiplie l'argent. Je ne sais pas si c'est le fake. Quand on parle de multiplier l'argent, je ne sais pas comment ils font pour multiplier l'argent. Je ne sais pas si c'est une banque. Bon, je rappelle que ce n'est pas une publicité que je suis en train de faire. Je vous présente cette image, ces images juste parce que je voudrais encore une fois de plus attirer l'attention de mes jeunes frères. Voilà quelqu'un qui se lève. Tout de même, comme une autre s'était levée ici devant nous, on se rappelle, on l'appelait croqueuse de calabas, croqueuse de diamants. Commencer à faroter l'argent en désordre, dit qu'elle parole l'argent que à minuit. Mais nous sommes surpris que ces derniers temps, elle est en train de... Ou c'est la vente des piments, ou c'est quoi. Elle s'est lancée aussi dans les filles qui s'exhibent partout sur les réseaux, sans string, sans caleçon. Bon, on ne sait pas si le foirage allait toquer aussi à sa porte. Je voudrais revenir sur notre jeune frère là. Papa, nous-mêmes, nous sommes dehors comme ça là, chaque jour. On monte, on coupe ici, on coupe là-bas. Joindre les deux bouts, c'est toujours dur. Parfois, je m'interroge. Je dis, hey, les gars, s'ils prennent même l'argent ou comme ça, hein? Voilà quelqu'un qui fait les dons des voitures, mon frère. Il partage les voitures aux gens. On dit aux membres de sa famille, hey, Malé. Mais, le gars partage l'argent, il partage. Toi, tu regardes comme ça, tu dis que, hey, Seigneur, c'est l'argent que nous, on cherche dehors comme ça, sans voir. Papa, vous travaillez même l'argent là, comment? Parce que nous, on voit seulement comment vous venez partager. Vous ne nous dites jamais d'où, comment, d'où ça sort et comment vous travaillez cet argent. On voit seulement les dons. Papa a fait aussi la vidéo comme Croqueuse de Calabar avait dit qu'elle aussi les écoles, les entreprises, les ceci, les cela. Papa a fait aussi ta part de vidéo. Tu nous expliques où tu prends aussi ta part d'argent pour partager aux gens comme ça là, non, mon frère. Parce que ça, nous, on est dépassés. Nous, on est vraiment dépassés, papa. Quand je regarde ces images-ci, je vois la fête que tu as organisée là-bas à Fumban. Je me croise seulement les bras, je sors les yeux, je dis, hey! Papa, regarde d'abord ce que ta soeur est devenue, croqueuse de calabas. On vous avait dit ça ici, que oh, le one man show qu'on fait là, attendons si ça fait même seulement 5 mois. Voilà. Tout son temps maintenant, c'est faire les selfies avec des grands stars. Voilà donc l'inconvénient qu'on se retrouve sur les réseaux sociaux sans une ligne éditoriale bien fondée, bien tracée. Quand tu viens sur Facebook, après vous allez vous moquer de la petite Fianga. Koro, elle fait ci, elle montre le corps. Là, celle-ci là, c'est regardez vous-même ces images, tous ces derniers temps-ci. Qu'est-ce qu'elle fait encore sur Facebook? L'argent est fini. Voilà ce que tu as habitué aux Camerounais. Que pour quand tu passais partout, tu étais devenu plus que Samuel Eto'o. Partout où tu passais, ce n'était que le monde qui applaudissait. Maman, qu'est-ce que tu deviens? Dis-nous ce que toi-même tu deviens là. Qu'est-ce que tu deviens? Voilà tout ce que tu fais maintenant. Aller dans les studios, faire des photos, présenter ton corps. Quel gâchis. Et c'est ça que les jeunes aiment regarder. Hein. C'est ça que les jeunes aiment voir. Quand on va venir ici, vous parler, vous ouvrir les yeux, on va dire toi-même tu connais quoi, jusqu'à tu veux sensibiliser les autres. De toutes les façons, que Dieu nous garde. Mais le pays ici est indolent. Les amis, celui-ci est venu éteindre Croqueuse. On n'entend plus parler de partage d'argent de Croqueuse. Ou même ton truc de musique. Ou de, tu as même, on dit que tu as acheté même c'est une vieille quoi à ton manager. Je n'avais même pas parlé de ces buzz-là. Vous êtes allé en route. Ou c'est vous avez cassé la vitre vous-même pour venir faire le buzz. Parce que tu étais en perte, personne ne parlait plus de toi, en perte de visibilité, il fallait qu'on parle encore. Vous avez créé même un faux accident. Mon frère, le buzz vous donne même quoi?
venez sur Facebook avec vraiment une ligne éditoriale bien fiable et fondée. Les gens vont vous suivre. Vous continuez à vendre le rêve aux jeunes. Vous allez vendre le rêve comme ça jusqu'à quand? Et voilà donc les retombées. La seule chose à faire, maman, si c'est le piment que tu vends déjà, dis-moi le prix. Moi-même, je vois comment je peux économiser pour acheter ma part. Entre-temps, vous les jeunes, vous qui nous regardez là, soyez sages. Ne suivez pas les gens bêtement sur les réseaux sociaux. Ouvrez les yeux, car tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'était le général Franco. Si la vidéo t'a intéressé, marque de partage. Je vous l'offre. Autorité administrative, autorité religieuse, autorité traditionnelle, promoteur des shopping. Mesdames et messieurs, ceci vous concerne. N'achetez plus vos vêtements de luxe et vous lavez dans n'importe quel pressing. Désormais, la solution, c'est chez Mr. Clean. Mr. Clean est le meilleur pressing dans la ville de Yaoundé. Désormais, pour tous vos problèmes de ménage, les chaussures, les habits, les moquettes, les tapis, dirigez-vous directement chez Mr. Clean. Mr. Clean est situé à Ngousso, face Total, à Emana, face Mesafi, à Bastos, Carrefour, Moto Georges, village des jeunes au niveau d'Etetat, Biemassi, immeuble Express Union, Oja, avant l'entrée du collège Adventiste, Kouaban, avant Santa Lucia, venant de Mimboman, Abia, descend Pharmacie du Soleil. Juste une précision, Mr. Clean importe ses produits de nettoyage depuis la France et l'Allemagne. Donc, n'achetez plus vos vêtements de valeur, de luxe. Vous partez laver dans n'importe quel pressing que parfois, ça brûle vos vêtements, ça déforme, ça transforme vos vêtements. La solution, c'est chez Mr. Clean, le meilleur. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.